Donc là, on va maintenant attaquer notre première routine. On va effacer tout ce qu'on n'a pas besoin. Tac, on va garder que notre gain de loop. Voilà. Donc on va faire notre première routine qui est de copier une zone de la mémoire. Pour ça, il va falloir lui donner une adresse source, une adresse destination et le nombre d'octets à vouloir à copier. Donc pour notre exemple, on va s'amuser à copier cette partie de là et on va la copier dans la RAM à l'adresse C00. Donc on va supprimer ça, cette variable qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc pour faire notre routine, on va déjà lui donner un label. Donc on va l'appeler copy memory. Voilà. Et on va lui trans lui on va se servir des registres pour lui mettre les paramètres qu'on va avoir besoin. Donc comme paramètre, on va mettre dans le registre HL, ça sera la source, adresse source. On va utiliser le registre DE pour l'adresse destination. Et on va utiliser le registre C, par exemple, pour le nombre d'octets à copier. Voilà. Donc là, on utilise un seul registre, donc on peut copier que de 0 à 255 valeurs, 255 octets. On verra un peu plus tard pour faire un peu plus grand. Voilà. Donc là, on a notre copy memory, j'ai oublié les deux points. Voilà. Et je vais faire un ret parce que ça va être une routine que je vais pouvoir appeler avec un call. Voilà. Donc elle retournera là où je l'ai appelée. Voilà. Donc là, on a la structure de notre routine. Donc ce qu'il faut faire déjà, en premier lieu, on sait qu'on a l'adresse source dans HL. Donc on va récupérer le contenu qu'il y a à HL et on va le mettre dans A. Parce qu'on peut le lire que dans A. Donc je lis, je fais un chargement dans A du contenu de l'adresse HL. Voilà. Maintenant que j'ai le contenu dans A et je vais le copier dans l'adresse de destination. Donc je vais faire un LD DE. Pourquoi j'ai pas mis les parenthèses. Voilà. Et je vais ce que j'ai récupéré dans HL, je le mets dans DE. Voilà. Donc là j'ai fait ma copie. Et maintenant ce qui m'intéresse c'est de faire X fois. Donc ce qu'il y a dans C. Donc pour ça, il va falloir que j'incrémente mon adresse HL et que j'incrémente aussi mon adresse DE. Là, maintenant qu'on a incrémenté les adresses destination et les adresses source, il va falloir nous intéresser au nombre d'octets à copier. Donc je sais que j'ai dans C le nombre d'octets que je veux copier. Donc il va falloir diminuer, maintenant que je l'ai fait une fois, je vais diminuer le nombre d'octets à copier. Donc je fais l'instruction dec C. Voilà. Donc si j'avais 5 octets à copier, j'avais 5 dans C, donc maintenant j'aurai 4. Et maintenant, il va falloir une des particularités de dec, c'est que il modifie. Alors on va retourner. Voilà, dans notre guide, on va regarder CP. Voilà. Et on sait que l'instruction dec modifie le registre Z. Donc on n'a pas besoin de faire un CP pour faire une comparaison. Donc ça nous arrange, ça va nous faire une instruction au moins. Donc on va regarder si. Donc si C vaudra 0, donc le registre Z sera mis à 1. Donc j'ai simplement à faire, s'il n'est pas égal à 0, alors je reboucle à ma routine. Donc je vais faire simplement un jump. S'il n'est pas égal à 0, alors je vais à copy memory. S'il est égal à 0, c'est-à-dire que j'ai fini. Donc je retourne là où j'ai appelé ma routine. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a notre morceau de code qui devrait fonctionner. Donc on va dans Start et on va renseigner les adresses HL et DE et C.
Donc je vais faire mon chargement. Donc dans HL, j'ai dit que j'allais copier l'adresse source, c'est-à-dire que je veux copier cette zone-là. Donc $04, je mets cette adresse ici. Dans l'adresse destination, ça va être l'adresse de la RAM. Donc c'est l'adresse C000. Et combien d'octets je veux copier? Ben, je vais copier par exemple 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à CC. Donc je vais mettre LDC5. Et maintenant, je peux appeler ma routine copy memory. Voilà. Donc j'assemble tout ça. Start. Je lance le débugger. Je vais ici me placer en C00 pour voir si la copie a bien été effectuée. Donc là, j'ai des données qui ont été copiées. Et je peux le comparer maintenant. Oh. Hop. On va réduire ça. Voilà. Et on va les mettre. Voilà. Donc j'ai dit que je copiais 5 valeurs. Donc CE, ED, 66, 66 et CC. Et j'ai bien ici les valeurs qui ont été copiées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là on a un 73 qui correspond à quelque chose. Mais voilà, si j'avais mis 6, j'aurais OD ici. Voilà. Donc notre routine fonctionne bien. Impeccable. Donc le problème pour le moment, c'est que notre routine, eh ben, elle copie, mais si j'ai plus de 255 données à copier, ça va pas m'aider. Parce que je ne peux pas faire plus de 255 en n'ayant qu'un seul registre. Donc là, maintenant, je vais utiliser le registre BC pour marquer, renseigner le nombre d'octets à copier. Donc là, je pourrais aller sur 65 000 valeurs à copier. Donc je pourrais copier des grandes zones de mémoire. Par contre, notre code ici ne va plus fonctionner. C'est-à-dire que quand on fait une décrémentation, on peut tout à fait faire une décrémentation BC, mais par contre, ça n'affecte pas les flags. C'est-à-dire que je ne pourrais pas comparer le registre Z. Il ne sera pas modifié. Donc pour ça, on va utiliser une petite astuce que je vous ai mis dans le fichier PDF. C'est-à-dire qu'on va décrémenter BC et on va regarder si B et C valent 0. Et si ils valent 0, eh ben, on va modifier le flag. Donc pour ça, on va récupérer dans A le registre C. Là. Et maintenant, on va faire un ou logique qui modifie les flags, lui. Donc le ou logique, il va donner un résultat. Si B et C valent 0 tous les deux, alors le résultat du OU, ça sera un 0, et du coup le flag sera modifié, il sera mis à 0. Donc on va faire un OR B, et maintenant on aura notre routine qui fonctionnera pour copier des plus grandes plages de mémoire. Voilà. Donc là, on peut mettre par exemple 300 octets qui est au-dessus, et notre routine pourra fonctionner. Voilà. Donc là, on ne peut pas vérifier parce que on a copié, je ne sais pas quelle valeur. Ça va nous copier toute la zone de mémoire qui est après. Ça n'a pas vraiment de sens pour le moment. Voilà. Donc là, on a notre routine qui est opérationnelle. C'est impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se rajouter une partie où on va stocker notre texte, et c'est ces données-là que l'on va copier dans la mémoire. Donc on va se faire ici un label, on va mettre texte, deux points. On va faire utiliser une directive de compilation qui est .db, et ici je vais pouvoir écrire mon texte. Donc on va écrire mon super texte.
Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de récupérer cette adresse à copier, on va récupérer l'adresse qui est à texte. Donc, ici, je vais mettre texte. Donc, maintenant, j'ai l'adresse où est stocké mon super texte en mémoire. Et je vais le copier toujours en C0. Et pour la longueur, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, il fait 15 de long. Donc, je mets 15. Et je peux maintenant exécuter pour voir si ça fonctionne. Je lance mon debugger. Je vais à l'adresse C0. Tadam, ça a bien copié mon texte. On le voit ici. Donc là, c'est les valeurs en ASCII que j'ai copiées, qui étaient en mémoire. Et on voit bien mon super texte qui s'affiche ici. Voilà. Donc on va revenir là. Vous voyez que c'est pas pratique de compter le nombre de caractères qu'il y a dans notre chaîne. Si je rajoute mon super texte de la mort, il va falloir que je continue à compter. Ce qu'on peut faire, c'est une petite astuce, c'est de remettre un label ici, et ça sera la fin de notre texte. On va l'appeler end text. Voilà. Et comme end text vaudra l'adresse mémoire à la fin du texte, on va pouvoir savoir la longueur en faisant une soustraction de l'adresse mémoire de la fin de texte moins l'adresse mémoire du début du texte, et on aura la longueur de la chaîne de caractères. Donc c'est ce qu'on va faire ici pour la longueur. On va faire prends l'adresse mémoire de ntext et tu soustrais à l'adresse mémoire de texte, et on aura la longueur. Donc là je peux relancer. Je retourne dans mon debugger. Je retourne à l'adresse C00. Et là, je peux faire scroller. Et on a bien mon super texte de la mort qui s'affiche ici. Bon, alors le problème maintenant, c'est que on a bien fait notre Hello World qui est ici. Mais il ne s'affiche pas sur l'écran. Et la raison, elle est bien toute simple. C'est que pour afficher à l'écran, il va falloir utiliser les tuiles en français, hein, qui sont stockées comme si c'était des sprites en fait. Donc il va falloir faire une conversion, stocker déjà, charger en mémoire dans la VRAM, ici, charger les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Et avec notre programme, convertir tout ça pour l'afficher à l'écran. Donc ça, ça sera dans la partie graphique que l'on verra plus tard. Donc maintenant qu'on a fait notre super texte, on va se faire une autre fonction, une autre routine, qui va faire la même chose, seulement elle ne va pas copier des données, elle va prendre simplement une adresse source, une adresse destination, et dans cette adresse destination, elle va copier une valeur. Ça va nous permettre de faire un reset, par exemple, des zones de mémoire. Donc, on va se faire une fonction maintenant qui va s'appeler setValue. Voilà. Elle va avoir quoi? Besoin que dans HL, ça soit l'adresse de destination. Et elle va avoir besoin d'une valeur à copier. On va le mettre dans le registre A. Une valeur à copier, et il nous faut une longueur de valeur à copier. Et donc dans BC, on mettra la longueur de 2 fois A à copier. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est en premier lieu comment on va utiliser des registres qui vont, et on va toujours utiliser le registre A pour faire nos transferts. Ça va pas être une bonne idée de le garder. Donc on va faire une copie de A
dans D. Donc on va mettre LD A dans D. C'est ce qui nous servira de mémoire tampon. Maintenant qu'on a notre mémoire tampon, on va se faire une boucle. Donc loop set value. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier dans HL, je vais faire un LD HL la valeur de D. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir, j'ai déjà fait mon opération, je vais incrémenter HL, incrémenter HL, voilà. Alors une petite particularité de la Game Boy, du Z80 de la Game Boy, c'est que cette partie-là, je peux la remplacer par une instruction, ici, LDI. Et j'ai plus besoin de faire incrémenter, ça va se faire tout seul. Voilà, ça m'économise une instruction. Voilà. Maintenant, je vais décrémenter mon compteur. Donc, je vais faire un deck BC. Et je fais toujours pareil. Je vais faire un transfert, comme ça ne modifie pas les flags. Je vais faire un transfert dans A de C. Et je vais faire mon OR à B. Voilà. Et comme ça, je peux faire un saut, si ce n'est pas égal, à loop set value. Et sinon, je fais un ret. Voilà. Donc là, j'ai ma... Ah oui. Par contre, j'ai une erreur. Si j'utilise LDI, il faut que j'utilise le registre A. Je ne peux pas le faire avec D. Donc, ça revient. On va faire ink HL. Voilà. Donc là, je relance. Voilà, ma compilation se passe bien. Donc mon code que j'ai écrit pour le moment devrait être bon. Et là, on va appeler la fonction setValue. Donc, je vais charger dans HL, je vais mettre C00. Dans BC, je vais mettre le nombre de fois que je veux copier la valeur. Donc, je vais le copier, par exemple, 50 fois. Voilà. Et je vais mettre dans A la valeur que je veux copier. Donc, par exemple, je vais mettre la valeur 55 en hexadécimal. Et maintenant, je peux faire mon call setValue. Et je peux exécuter. Donc, je vais aller dans mon debugger. Ici, je vais me placer à l'adresse C00. Et normalement, j'ai des 55 qui vont se faire. Et ils vont se faire, je ne sais plus combien de fois j'ai dit, 50 fois. Donc, si on les compte, on aura 55 fois 50. On aura 50 fois 55. Voilà, super l'exemple. J'aurais dû prendre autre chose. Voilà. Donc on a notre setValue. Ça va nous permettre par exemple de le mettre à 0. Au lieu de mettre... Par exemple, je vais faire 200 fois la copie et je mets à 0 pour nettoyer la RAM par exemple avant de commencer mon programme. Je relance. Je vérifie. Goto. Et voilà, maintenant je suis à 0. Donc j'ai bien nettoyé mon programme. Donc ça c'est important, parce qu'on va l'utiliser pour nettoyer notre mémoire avant de l'utiliser, pour ne pas avoir des mauvaises valeurs. Voilà, donc là on n'a pas fini notre première partie de routine. Donc on a vu qu'on pouvait copier une partie de la mémoire dans une autre partie de la mémoire. Voilà, donc ça on va s'en servir pour charger des assets et les mettre en mémoire. Et là on a vu qu'on pouvait mettre à une certaine valeur une zone de la mémoire une x fois. Voilà, donc là c'est nos deux routines qui vont nous servir
de base pour faire la suite de notre Hello World, c'est-à-dire maintenant afficher sur l'écran de la Game Boy notre texte. Parce que pour le moment, il est dans la mémoire, mais on ne le voit pas. On voit simplement le texte, mais on ne le voit pas sur l'écran. Alors pour ça, il va falloir aborder la partie graphique. Donc ce sera dans les prochaines vidéos. Allez, j'espère que vous aurez appris plein de choses dans ces cours. À bientôt.